La remise en jeu ici effectuée par Loïc Perrin. Attention à Dimitri Payet. Payet qui va frapper. Ouais, c'est l'ouverture du score. Le but pour Dimitri Payet, son premier but sous les couleurs stéphanoises. Il n'avait plus marqué en match officiel depuis le mois de mars 2006. C'était sous les couleurs du Football Club de Nantes Atlantique face à Sochaux. Et cette fois, eh bien, pour Dimitri Payet qui découvre les joutes européennes, eh bien, le voici qui lance les Stéphanois. Regardez, il était bien parti et il vient tromper Enyama de fort belle manière. L'équipe Monsoro avait disputé 9 matchs de Coupe de l'UEFA avec Sochaux, plus 2 matchs de Ligue des Champions avec Lyon. Pascal Feinduno, la frappe lointaine de Feinduno et ce ballon qui est détourné par Enyama. Pascal Feinduno. Nacho. Nacho. Oh, attention. Ayeboa et la sortie de Jody Viviani. Oh. Dabo. Dernis. Matuidi. Gomis. Landrin. Matuidi. Payet. Voilà qui est bien fait. Il va falloir s'appliquer maintenant pour la finition avec Dimitri Payet qui crochet dans la surface. Payet qui frappe et il a voulu une nouvelle fois. L'objectif de Saint-Etienne, on le rappelle, se qualifier pour la phase de poule. 4 matchs, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. Et après, si ça rigole, ce sera rendez-vous pour les 32e de finale avec cette tentative de jeu. Landrin. Matuidi pour Dimitri Payet. Payet encore, Payet toujours, Payet avec la frappe pied gauche et ce ballon contré in extremis. Et corner avec Geoffrey Dernis. Il y a Gomis, il y a Landrin, il y a Monsoro dans cette surface de réparation. Et il y a eu la tête d'Antebi et ce ballon qui passera au-dessus. La tentative de Christophe. Kende, vous voyez, on a vu le geste de désespoir de Kende, c'était pour Telski. Rapproche-toi de moi, offre-moi une solution. Il y a Dernis, Feinduno. Ouah, c'est à côté de la cage. Feinduno. Landrin. 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 Et Nyama qui vient détourner. Landrin. Payet, Payet, oh, c'est bien fait avec Feinduno, Payet le pied droit, Payet et c'est un ballon dégagé par Antebi avec Gomis qui se saisit de ce ballon, on fait Gomis, Pascal Feinduno et le voilà, le deuxième but quasiment à l'heure de jeu en faveur de l'association sportive de Saint-Etienne signé Pascal Feinduno, c'est tout simplement son 10e but sur la scène européenne à Pascal Feinduno. Et regardez toute la vista ici de Bafé Gomis qui chippe ce ballon dans les pieds d'Antebi, le capitaine, pour retrouver au point de pénalité. Ah là là, le centre de Lala, la tête de Mouamadou Dabo. Et attention à cette reprise d'Aboudboul et l'arrêt sur sa ligne. Eh bien fait ce 1-2, Vermouth le centre et la parade, superbe parade de Dernis, Matuidi, Varro, Varro, Gomis, Gomis qui contrôle le ballon, Gomis qui cherche à se l'emmener, qui va frapper et ballon arrêté par Yeneama. Et d'ailleurs, certains souffrent, comme la défense stéphanoise qui souffre, le réalisateur qui a bien failli perdre avec Pascal Feinduno. Et ça sourit pour l'instant à Yeboa. Yeboa qui va centrer. C'est bloqué par Jody Viviani. Mon poteau tête de David Saugé. Et le ballon dans les pieds de Geoffrey Dernis. Dernis avec Pascal Feinduno. Pascal Feinduno et la sortie de Enyama.